Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes ici sur la chaîne de l'Atelier des Bois et moi je suis Aline, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et je vous viens faire un petit podcast sur la couture pour commencer. Et puis on va finir par une petite partie floss tube avec les points de croix, etc. Je pense que je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça fait un petit moment que je suis pas venue ici. J'ai pas mal avancé sur mes broderies, je suis contente. Et puis j'ai fini au moins mes deux projets que j'avais pour l'hiver, dont un des deux projets où je pense que je vais quand même pouvoir en profiter un petit peu début du printemps, tout ça. Je vais pas trop parler de mes projets couture, parce que c'est pas très clair encore dans ma tête pour le printemps ce que je vais faire. Puis je pense que j'ai bien envie de me lancer dans des projets pour mon conjoint. Peut-être lui faire un petit pantalon en lin ou quelque chose comme ça. Donc faut que je réfléchisse comment je vais faire tout ça, puis ce qui pourrait lui plaire aussi. Et puis j'aimerais aussi coudre un peu pour ma fille. Donc il faut que je vois aussi qu'est-ce qui pourrait lui plaire, etc. Et j'avoue aussi que j'ai bien envie de renouveler un peu ma garde-robe de printemps-été. Et j'ai vraiment envie de bien y réfléchir. Et j'ai un livre de couture japonaise qui me fait très envie. Toujours dans la même veine que ce genre de couture-là. De livres, pardon, de couture japonaise, mes carnets de couture là, de chez Hachette. J'en ai vu un autre sur Vinted passer aussi et il a l'air pas mal du tout. Donc je vais voir si j'investis dans celui-là ou pas. Mais bon, bref, je vous ferai peut-être une vidéo à part une fois que tout ça sera plus clair. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, que je fasse une petite vidéo sur mes projets couture pour le printemps-été. Peut-être que ça peut vous inspirer, pourquoi pas. Et on va commencer par les deux projets couture que j'ai finis. Alors, pour commencer, je vais prendre cela. Je vais commencer par le gilet de Ready to Sew que j'ai fini juste avant les vacances de février, je crois. Ça faisait un moment qu'il était en train d'attendre sur le mannequin que je le finisse. Je l'ai enfin fini. Voilà, alors c'est un tissu un peu molleton, là vous voyez, comme ça c'est doudoune à l'intérieur, et là c'est un tissu sweat. Voilà. Je vois que j'ai une petite tache là. Donc vous voyez, c'est un gilet avec des poches devant. J'ai pas fait de boutonnière parce que, pour tout vous avouer, j'ai eu un peu peur de faire les boutonnières. Vu que c'est un tissu stretch, à chaque fois que j'ai fait des boutonnières sur les tissus stretch, je trouvais que c'était pas joli, que c'était mal fini. Donc j'ai plutôt mis des boutons pression comme ça. Voilà. Et ça me va bien. Donc c'était très facile à faire, très rapide. J'ai fait la version longue cette fois, puisque j'avais déjà fait une première version courte. Je vous avouerai que je préfère la version courte quand même. C'est pas un gilet que je mets dehors pour sortir, vous voyez, c'est vraiment un gilet doudou d'intérieur, hein. Par contre il est hyper chaud, hein, avec ce tissu. Mais en fait, ce qui me gêne un petit peu dans la version longue, c'est que vraiment, je sais pas si je me mets peut-être debout pour vous montrer, mais quand je le porte, vous voyez, il vient vraiment juste en dessous des fesses là. Et il est très très échancré. Et en fait, il se boutonne un peu au niveau du nombril. Et bon. Des fois ça me gêne un peu en fait de ne pas être couverte ici, ça me fait un peu froid. ça me gêne un peu.
Donc, bon, ça va quand même parce qu'il fait pas moins 1000 chez moi, mais j'aime. Parce que dans la version courte, en fait, ça fait un col en V et en fait, ça monte jusqu'ici, en fait. Donc, je préfère peut-être un peu la version courte que la version longue. Mais bon, il est très bien quand même. J'adore les boutons. Je trouve que ça va très bien avec. Excusez-moi pour le bruit derrière, mais c'est ma fille qui passe dans le couloir aux toilettes. Bon, bref. Mais les boutons sont super jolis. Je trouve qu'ils vont très bien avec. Voilà. Et puis, les poches sont super pratiques. Quand on est enrhumé, par exemple, comme moi la semaine dernière, bon ben voilà, les poches, c'est la vie. Bon, voilà pour ça. J'ai pas forcément besoin de vous raconter plus. Si, j'ai beaucoup beaucoup rallongé les manches et peut-être un petit peu trop. Heureusement, en fait, qu'il y a les comment ça s'appelle, les bracelets là qui sont bien resserrés. Du coup, ça fait que ils tombent pas sur mes mains en fait, mais après ça fait un petit effet bouffant, donc j'aime bien aussi, mais c'était peut-être un petit peu trop long quand même. Mais j'avais tellement peur en fait que ça soit trop court, puisque quand j'avais fait la version courte, les manches étaient trop courtes, les manches m'arrivaient vraiment ici et j'étais un peu dégoûtée. Donc bon, voilà. Mais à part ça, à part ça, la couture s'est très bien passée. Ça reste un gilet avec un patron assez basique. C'est un bon patron qui est bien expliqué, hein, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Voilà pour ce petit gilet qui m'accompagne le soir quand j'ai un peu froid. Voilà. J'en avais besoin parce que j'en avais marre en fait de mes vieux gilets que je traînais depuis plusieurs années. Donc c'est cool. Et ce dont je suis le plus fière et le plus contente, c'est cette robe. Toutou. Que j'ai finie pendant les vacances de février. Et c'est un tissu que j'ai trouvé à Mondial Tissu. J'avais pas du tout prévu de faire cette robe à l'origine. Mais j'ai vu ce tissu pendant les soldes à Mondial Tissu. Et c'est, je sais pas si vous arriverez à bien voir, un tissu flanelle. Et en fait, les rayures sont un peu roses. J'aime beaucoup la couleur rouge. Alors, vous voyez pas trop bien la couleur comme il faut là. Là, ça se rapproche plus de la bonne couleur. Moi, j'aimais beaucoup l'association. Ça fait plutôt en fait un rouge très soutenu fraise, quoi. Un rouge fraise. Avec les rayures un peu roses et le bleu marine. Enfin, c'était très. J'aimais beaucoup, quoi. Et j'ai craqué en fait sur ce tissu tartan là, comme ça. Voilà, puis il était très bien soldé, donc j'ai payé très peu cher. Il m'en reste un petit peu que je garde pour un futur projet de couverture en patchwork. Voilà. Et en fait, quand j'ai vu ce tissu-là, j'ai tout de suite pensé à une robe que j'avais vue dans ce livre, qui est cette robe chemisier tartan, qui me faisait de l'œil depuis un moment. Mais je m'étais jamais lancée. Et quand j'ai vu le tissu, j'ai tout de suite pensé à cette robe-là. Je me suis dit, oh, ce serait quand même trop beau. Donc, ben, je me suis lancée. Et voilà. J'ai pas eu de difficulté du tout non plus pour faire cette robe. Mais je pense que quand même, avec les explications du livre, je pense que j'ai pas eu de difficulté parce que j'avais déjà fait des chemises avec d'autres patrons. Là, j'ai trouvé que les explications du livre au niveau du col, surtout,
était peut-être un petit peu trop succinct, quoi. Il y a juste le schéma. Alors moi, j'ai compris parce qu'en plus, je suis quelqu'un d'assez visuel qui préfère d'ailleurs les schémas que les explications écrites. Mais je trouvais ça un peu léger quand même comme explication. Je pense que quelqu'un débutant, vraiment débutant, peut-être il aura galéré un petit peu pour faire la robe, quoi. Mais bon, vous voyez, il y a des petites fronces ici devant, mettre la petite poche, mettre le col. Là, ce sont des manches trois quarts, mais j'aime bien l'effet, en fait. Je le porte avec, par exemple, ce genre de t-shirt à manches longues avec du coup la manche qui dépasse, et j'aime bien l'effet, en fait. Ça fait un effet un peu superposé comme ça, j'aime bien. Et je l'ai porté pour la première fois le week-end dernier, et j'aime bien, en fait, parce que c'est élégant, mais en même temps c'est hyper confortable, un peu casual comme ça. J'aime beaucoup le style. Donc, et même mon mari, il m'a dit que c'était sympa. Et c'est rare qu'il me dise que ce que je cause est sympa. Donc, c'était cool. J'étais contente. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, je pense qu'elle va m'accompagner même pour le début du printemps, tout ça. Puis, comme c'est de la flanelle, vraiment, j'ai pas eu du tout froid avec ce week-end. C'était cool. Et alors, pour les boutons, j'ai fait une petite association de plusieurs boutons que j'avais en stock. Voilà, alors ce ne sont que des boutons en bois, mais vous voyez, il y a des boutons avec des petites fleurs comme ça, des boutons plus bruts, et ces boutons là que j'ai récupérés d'un chemisier que je m'étais fait il y a un petit moment, et que je ne mets plus. Donc j'avais récupéré les boutons parce qu'ils étaient vraiment beaux. Et donc j'ai alterné un coup les boutons avec les petites roses, un coup celui-là. Bon, voilà, je me suis amusée avec les boutons, puis je trouve que ça lui donne un petit style sympa. Voilà. Voilà pour cette robe. Et puis je vous mets un petit close-up, je crois qu'on dit ça comme ça. Enfin bref, un petit clip. Des vêtements portés tout de suite. Voilà, et c'est tout ce que j'ai cousu, voilà, ces deux derniers mois. C'est déjà pas mal parce que ça prend du temps quand même, la couture. Pas tellement en termes de temps, mais faut s'organiser la journée, quoi. C'est-à-dire que une fois que tu te mets à couper ton tissu, c'est le grand bazar dans l'atelier, et on peut pas juste faire ça en 5 minutes, quoi. Il faut s'organiser une après-midi entière. Faut être sûr qu'on a du temps, quoi. On peut pas tout abandonner comme ça d'un coup. Donc bon, voilà. Donc comme je vous disais, je pense que je vais fouiner un petit peu pour mes futurs projets. J'ai quand même toujours le projet, hein, de faire le tablier Lisette, dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. C'est peut-être d'ailleurs la prochaine chose que je vais essayer de me faire. J'ai très envie de broder dessus aussi. Donc je vais essayer de réfléchir à ce que je vais broder dessus. Mais moi, j'ai très envie de faire ça. J'avais pensé aussi me faire un ou deux pantis pour aller dessous. Je vais réfléchir à tout ça. Et puis il faut que je vois aussi un peu ce que j'ai dans mon stock, parce que j'ai vraiment pas envie d'acheter de tissu. Voilà. J'ai vraiment envie d'utiliser ce que j'ai là. Donc voilà, faut que je réfléchisse.
je reviendrai vous faire peut-être une petite vidéo. On va passer à la partie broderie. J'ai pas mal avancé, j'ai pas mal brodé ces deux derniers mois. Donc je vais vous montrer où j'en suis un petit peu. J'ai pas 36 000 projets en cours, hein. Moi j'aime pas ça, avoir 36 000 broderies en cours. Donc j'en ai principalement trois broderies de point de croix en cours et un de broderie traditionnelle. Donc je vais commencer par celui que j'ai un petit peu lâché et laissé de côté et que je pense que je vais continuer à laisser de côté pendant un petit moment parce que je l'ai beaucoup brodé en automne et j'avoue que j'arrive plus trop à le voir en peinture. C'est ma roue d'automne. Puis en plus on n'est plus trop dans la saison, donc même si c'est pour ma fille et que bon, ça aurait été bien, j'aurais adoré en fait la finir cette année, mais je verrai si la motivation me revient. Mais bon, pour l'instant je vais la laisser un peu de côté, mais je voulais vous montrer quand même jusqu'où j'étais allée. Je vous avais quitté où j'en étais à peu près en bas du champignon ici. J'avais commencé un petit peu là, ce champignon là et cette petite plante. Donc j'ai fait tout le point arrière et puis j'avais continué, vous voyez la petite abeille et la citrouille. Et en fait, une fois que la citrouille a commencé à se dessiner, j'arrivais plus trop. Donc je suis quasiment à la moitié, il faut que je fasse toute l'autre moitié. Bon, écoutez, je la reprendrai, hein, mais là pour l'instant je fais une pause, c'est plus du tout dans... J'arrive plus trop à aller dessus, quoi. Même si je l'aime encore beaucoup, hein, c'est pas la question. Et peut-être si juste vous me découvrez, peut-être vous dire quand même que c'est là. Bah voilà, ça c'est le. C'est là. Alors j'essaye de pas faire trop de contre-jour. C'est la roue que ça va donner au final. Donc vous voyez, j'ai fait à partir de la petite chauve-souris, tuk-tuk-tuk-tuk, et je suis descendue jusqu'à la citrouille. Donc il me reste encore tout ça. Voilà. Et donc c'est Autumn Wrath. J'ai un anglais vraiment tout pourri. Hein. De Julia Zolotova. Et je l'ai acheté sur Etsy. Voilà la grille. Donc je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos, voilà, de la boutique Etsy. Je ne me souviens plus le nom de la boutique. Voilà. Ensuite j'ai pas mal avancé sur les fées au clair de lune de la marque Nimue. Ça c'est pareil pour ceux qui me suivent depuis un moment. Vous savez que ça fait un moment que je suis dessus. Et vous savez aussi que... Ah non, c'est pas les fées au clair de lune, c'est clair de lune tout court. c'est d'après une illustration de Jean-Baptiste Monge, qui est beaucoup repris par la créatrice Denis Muet. Et donc, je l'ai presque fini. Il me reste à faire tout le point arrière et l'herbe en bas. Mais j'ai fini la lune et les petits personnages et les champignons. Et la lune, je l'ai fini pendant les vacances. C'était mon objectif des vacances. Je voulais absolument finir la lune. Et j'ai commencé un peu le point arrière sur les ailes. Donc voilà, je suis quand même assez contente. Je pense que je vais la reprendre un peu aujourd'hui. J'aimerais bien finir en fait les ailes. Bon, voilà. Il est très joli. Et j'ai encore toute une partie avec de l'herbe dessous. Mais bon, ça je pense que
ça ira assez vite. Et puis du coup, je pense que je vais alterner. Un coup, je ferai un peu de point arrière. Un coup, je ferai des petites croix dessous pour pas trop me lasser du point arrière. Voilà, je me garde un petit peu d'herbe. Mais bon, voilà mon avancée sur le clair de lune de Nimue. Je suis très contente d'avoir avancé comme ça. Et d'en voir un peu le bout aussi, parce que même si je l'aime beaucoup, cette broderie, bon, j'ai envie de l'avoir finie aussi. Donc j'ai bon espoir quand même de l'avoir fini cette année. J'aimerais bien même l'avoir fini avant cet été. Ce serait chouette. Je vais essayer de m'y tenir un petit peu. Voilà pour le clair de lune. Ensuite, j'ai enfin pris tout ce dont j'avais besoin pour faire... Pour faire ma fée. Alors j'essaye de vous retrouver l'illustration pour vous. Ah voilà. Ma Sweet Pea Fairy. Que pareil, je vous avais présenté il y a un petit moment. Puis j'avais à peine commencé un peu les cheveux là. Avec les fils que j'avais déjà en stock. Mais en fait, il me manquait beaucoup, beaucoup de couleurs. Et j'ai enfin passé le pas d'acheter toutes les couleurs qui me manquaient. La seule chose qui va me manquer, ce sont les petites perles, parce que je ne sais pas si vous verrez sur la photo, mais il y a plein d'endroits. Là, tout ce que vous voyez autour, et puis dans ses cheveux, même les petits points là que vous voyez sur son étole, ce sont des perles en fait. Il y a beaucoup de perles dans cette broderie. Donc, j'ai pas forcément en fait trouvé les références des couleurs qu'il conseillait. Donc, je pense qu'il va falloir que j'essaye de trouver des couleurs qui s'en rapprochent ailleurs, quoi. Mais bon, c'est pas très grave si c'est pas exactement les mêmes couleurs. Mais en tout cas, je la trouve trop belle. Et donc, je l'ai bien avancée. Je suis en train de faire tout ce côté-là. Et je pense que, en fait, il y a 4 pages. Et je vais d'abord faire toute cette page-là avec le point arrière, tout. Et avant de passer à une autre page. Je vous ai pas dit le designer, c'est... Ou designeuse, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais... C'est Johan Elliott Design. Et ce patron-là, je l'avais trouvé chez Casa Chinina. Voilà. Avec une autre fée. J'avais pris ça avec une autre fée que j'ai pris dans le même avec le même artiste. Et donc, je vais vous montrer où j'en suis. J'ai mis ça dans ma super pochette que j'avais fait spécialement pour cette petite fée. Vous voyez, j'ai mis pas mal de petites cartonnettes. D'ailleurs, elles n'y sont pas toutes. J'en ai quelques-unes qui sont à l'intérieur parce que j'avais pas mis assez de compartiments. Voilà, donc je vous montre où j'en suis. J'ai presque fini, en fait, la fée. Il me manque toutes les roses à faire autour. Voilà. J'ai fait un petit peu le backstitch aussi au fur et à mesure pour faire son visage. Hier soir, vous voyez, j'ai fait les petites roses qu'il y a devant ses ailes. Il me manque encore à faire sa main ici et puis toute la partie avec les fleurs autour là. Toutes les parties avec les roses, les fleurs, etc. Sont très très belles, j'aime beaucoup. Voilà. Ça m'a vraiment motivée en fait d'aller sur cette broderie là, parce que ça me change un peu de toutes les couleurs un peu automnales qu'il y a et dans ma roue de l'automne et dans le clair de lune. C'est un peu tout dans des couleurs automnales, marron,
orange, etc. Donc ça me change un peu en fait d'aller sur cette broderie, ça me fait du bien de voir du rose, du vert un peu pétard, du bleu, etc. Ça fait du bien à mes yeux. J'ai juste changé en fait la couleur des yeux parce que en fait sur le modèle original, je sais pas si vous arriverez à bien voir, mais ils ont mis une couleur plutôt violette. Là j'ai mis un petit peu plus rosé parce que je trouvais ça un peu trop maquillé, vous voyez, pas très naturel. Donc j'ai mis des tons de rose en fait qu'il y a dans les fleurs, etc. J'ai pris les mêmes références quoi. Comme ça restait quand même raccord avec l'ensemble de la broderie. Voilà, mais je suis très très enthousiaste pour cette petite fée. Puis je trouve qu'elle me ressemble un peu, sans être trop égocentrique. Elle a les mêmes cheveux. Voilà, mais je l'aime beaucoup. Elle me quand je vois toutes ces couleurs comme ça, là j'ai trop envie d'être au printemps et tout. Voilà. Voilà ma petite avancée pour ma fée, ma Sweet Pea Fairy. Donc ma petite fée au petit pois, d'après ce que je comprends de la traduction. Voilà. Et pour finir, par quoi je finis? Ah oui, la broderie traditionnelle. Bon, j'en ai pas fait beaucoup. La seule broderie traditionnelle, c'était la broderie que je vous avais présentée la dernière fois. C'était Salomé, sorcière bien-aimée. Alors, pas de contre-jour, voilà. Que je fais pour ma fille, je voulais l'intégrer, je vous avais expliqué, à une couverture en patchwork. Ce serait bien que je la finisse quand même, mais je n'ai pas beaucoup avancé, il est un peu boudé. parce que je me suis mise en fait sur la fée et du coup j'avais plus envie que de faire cette petite fée. Voilà, voilà l'explication. mais sinon j'aime beaucoup, hein, ça me change un petit peu la broderie traditionnelle, même si je vous avouerai que j'ai quand même plus d'affinité avec le point de croix. Je sais pas pourquoi, je préfère, même si le rendu de la broderie traditionnelle est très joli. Mais j'ai pas beaucoup avancé dessus du coup. J'ai juste fait le petit hérisson. Et encore que j'ai pas tout fait. Non, il me manque quelques pics à faire. Qui devaient pas être dans la même couleur ou je sais pas. Après voilà, la dernière fois j'avais déjà fait la soutrouille, j'avais déjà fait toutes les feuilles qui volent autour. Donc voilà. Je reprendrai peut-être. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence pour ça. Quand j'en aurai envie. Quand j'aurai peut-être un peu plus de temps aussi. Là je vais commencer à rentrer dans la période des spectacles et tout ça. Donc le temps va finir par me manquer à un moment donné. Mais... voilà pour mes petites avancées broderie. Vu que j'ai presque fini le clair de lune, je commence quand même déjà un petit peu à penser à en commencer une autre, ou en tout cas à réfléchir à une autre que je pourrais commencer après avoir fini celle-ci, parce que je me suis dit en fait que 3 points de croix en cours, c'était bien, ça me faisait une bonne rotation pour ne pas me lasser trop vite. Le seul truc c'est qu'en fait comme le clair de lune et la roue de l'automne ont des couleurs assez similaires, ça m'a fait vraiment du bien de passer à la petite fée là qui a des couleurs vraiment complètement différentes. C'est vrai que le visuel ça joue quand même beaucoup. Et
du coup, je me pose la question si je vais commencer, parce que j'ai une broderie déjà qui attend. J'en ai même deux. C'est, je vais vous les sortir, elles sont juste derrière. Donc, j'ai toujours de chez Nimue. Comment ça s'appelle celui-là ? La fée à la mésange. Voilà. Que j'avais acheté en même temps que le clair de lune. Et donc, ça, c'est un kit. Hein. Donc, il y a tout, déjà tout ce qu'il faut dedans. Mais, même si je l'aime beaucoup, vous voyez que c'est à peu près les mêmes couleurs que le clair de lune. Donc, je ne sais pas trop si je vais commencer par celui-là. Et sinon, j'avais du coup la fée que, l'autre fée que j'avais. C'est pas une fée, c'est une déesse. La déesse de la terre, voilà. Que j'aime beaucoup aussi, elle est magnifique. Mais je, c'est pareil, c'est toujours dans les couleurs terre, très terre. Marron, orangé, vert, kaki un peu. Donc du coup ça me sort pas trop de tout ça. Donc je sais pas trop si je vais pas investir dans une autre. C'est possible, tout en sachant que je vais forcément les faire un jour, hein, je sais pas. Mais je me dis que peut-être que je commencerai un des deux comme ça. Quand j'aurai fini ma roue de l'automne. Voilà. Je sais pas, je vais réfléchir, je verrai selon l'inspiration quand j'aurai fini mon clair de lune. Mais bon. Et surtout, il y a une broderie qui me fait très très envie chez All Forest. Cette marque est en train de prendre un grand essor, j'ai l'impression. Hein. J'en entends parler un peu partout dans les podcasts, enfin dans les Flosstube, etc. Et pourtant, j'en regarde pas beaucoup de Flosstube. Donc, et c'est vrai que en étant allée fureter un petit peu sur leur site, ils ont quand même des modèles qui sont très très sympas. J'aime beaucoup leur style. Et dont une, alors comment elle s'appelle ? C'est un modèle avec un cerf comme ça, un peu magique. Enfin, ça fait un peu magique, un peu féerique comme ça. Il y a un grand cerf au milieu avec des oiseaux au-dessus. Il est vraiment beau. Voilà, il s'appelle Moondir. Je vous mettrai une petite photo par-ci par-là pour vous montrer le modèle. Et puis, il y a la lune au-dessus du... Au-dessus du cerf, les oiseaux au-dessus, les superbes fleurs. En... Ah, il est vraiment beau. Ouais, celui-là, il me fait quand même bien envie. Donc, c'est possible que je craque pour celui-là. Je regarde parce que je regarde sur mon téléphone, en fait. Je ne vais pas vous montrer sur mon téléphone, ça ne va pas rendre rien du tout. Je préfère vous mettre une petite photo. Voilà, donc je vais réfléchir si j'investis là-dedans. Faut que ça me change un petit peu les couleurs. Même si vous allez me dire, il y a quand même beaucoup de vert, quoi. Mais peut-être changerai les couleurs. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Bon, en tout cas, voilà pour mes petites avancées de ces deux derniers mois. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai. J'espère que... Cette vidéo du jour en tout cas vous aura plu, et puis peut-être que je me motiverai à revenir vers vous pour vous parler un peu de mes projets couture pour le printemps été, pourquoi pas. Et voilà, et en attendant, et ben je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao.